putain, ce que t'es belle. Tu sais ce qu'on dit des gens qui disent non ? Que leur non est un oui en attente. C'est le mec le plus égoïste et antipathique que j'ai jamais rencontré. Il me dégoûte. Pourquoi tu lui as juste pas dit qu'il se passerait entre eux ? Parce que c'est plus compliqué que ça. C'est bon d'être enfin seul avec toi. Tu m'aimes bien. Je le sais. Et toi et Charles, ça va ? En fait, y a pas de moi et Charles, donc... Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes pas. C'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu, ça. Vraiment ? Ben, regarde-moi droit dans les yeux. Tu devrais faire attention, hein. C'est bien que t'es en train de tomber amoureuse de moi. C'est pas ma copine. On est en couple. Non. Oh, que si. Tu dis que tes parents t'aiment pas. Je crois pas. C'est impossible de pas t'aimer, Manon. Je crois que je devrais pas, mais... Plus important pour moi, c'est Charles. Tu peux pas sortir avec un mec qui peut tuer quelqu'un comme ça. C'est pas possible. T'as besoin de temps. Je comprends. C'est chaud parce que tu penses qu'à Charles. Je crois que je l'aime. Vraiment. Qu'il finisse par l'attendre pendant qu'il est ailleurs en train de se taper une autre meuf. C'est Charles, il est là, il veut te parler. Je peux pas le voir. Dis-lui que je suis pas là. Charles. Non, mais en fait, je crois pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. La seule chose que je veux, la seule chose dont j'ai vraiment besoin, c'est toi. Les gens ont besoin les uns des autres. Non, mais les filles, Charles, c'est un mec bien. C'est juste qu'il ne montre pas en public parce qu'il veut pas s'attacher aux gens. Il a peur de le perdre. Je t'aime. Et tu m'aimes. On a besoin l'un de l'autre. Mais c'est vrai, maman. Si Charles, c'est ce qui est le plus important pour toi, tu devrais essayer avec lui. Et si ça marche pas, c'est la vie. Mais tu sauras pas tant de temps après essayer. Ok, on va pas tourner autour du pot. Tu peux sortir avec moi, et moi je peux. T'as tes confessions intimes.